89 du deuxième Khelek du Likutey Moharan. Alors on est à Oman, on est venu pour Oman pour le kibbutz de Shavuot, chacun avec son histoire, comment il est arrivé jusqu'ici. Alors comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev, Adat meshader kol ha-shidduchim. La sagesse, c'est elle qui fait tous les shidduchim. Les shidduchim, c'est les... Comment traduire ça en français? Comment on peut traduire le mot shidduch en français? Le conjoint. Comment? Le conjoint. Conjoint? Quand deux personnes se rencontrent? Ok, c'est le conjoint. Qui colle à shidduchim et shnei alfachim? Parce que tous les conjoints, c'est deux mondes différents. Ve'adat ou ametaver ben shnei alfachim. Et lui, la sagesse, c'est lui qui va faire le rapport entre les deux morceaux qui sont complètement à l'envers l'un de l'autre. Alken, et s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu m'arrêtes parce que la traduction c'est un peu dur. Alken, kol ha-shidduchim shebaolam. Alors, dit Rabbi Nachman, tous les shidduchim qu'il y a aujourd'hui dans le monde, kulam ne'asim al-yedei ha-bar-dat sheyesh baolam. Ils se font tous avec le bar-dat. C'est quoi bar-dat? C'est le plus grand des plus grands des plus grands dans la sagesse. Lui, ça s'appelle bar-dat. C'est celui qui sait vraiment c'est quoi la sagesse. C'est seulement lui qui fait tous les shidduchim dans le monde entier. Ve'alken, les famim kasher limtzo zivugo. Et des fois, on voit que quelqu'un, c'est dur pour lui de trouver son zivug, de trouver sa deuxième partie, une femme qui cherche un homme ou un homme qui cherche une femme. Ki les famim shnei ameshudachim rechokim meod. Parce que des fois, les deux, ils sont très loin de l'autre. Ve'em shtei hapachim biyoter zemizeh. Et ils sont complètement le contraire l'un de l'autre. Alken kasher limtzo zivugo, et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à trouver son zivug. Dit Rabbi Nachman de Breslev, et c'est quoi son tikkun? C'est quoi son sa réparation de ça? Va tikkun leze shetzarich sheyavo la'bar dat lishmo Torah mipiv. Il faut qu'il vienne chez le bar dat, celui qui est le plus grand dans la sagesse, entendre une Torah de la bouche de cette personne-là. Et grâce à ça, il pourra trouver son shidduch. Mais alors, attends. Maintenant. Aujourd'hui, je ne veux plus l'entendre de sa bouche. Et Ophi, il y a une Torah dans le Likutey Moharan. Si je ne me trompe pas, c'est la Torah Vav Dalet. Que Rabbeinu, il dit qu'il y a trois tikkunim dans le rapprochement d'une personne vers le tzaddik. Un, c'est quand il le voit. Deux, c'est quand il lui donne une tzedaka. Et trois, c'est quand il fait un vidouille de varim devant lui. D'accord? Alors, tous les livres de Rabbeinu, tous les livres des élèves de Rabbeinu, ils parlent de cette Torah-là beaucoup. Et ils disent, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment on fait pour voir le tzaddik? Comment on fait pour entendre sa Torah? Comment on fait pour lui donner une tzedaka? Et comment on fait pour faire un vidouille de varim? Alors, nous, ce qui est accepté dans Breslev d'après les élèves de Rabbeinu, après que Rabbeinu l'a quitté, c'est comme ça. Voir le tzaddik, c'est voir sa tombe. Donner de la tzedaka au tzaddik, c'est donner pour les livres du tzaddik. Pourquoi? Parce que les livres, c'est la sagesse du tzaddik. Et faire un vidou de varim, c'est faire le vidou de varim à Oman sur la tombe de Rabbi Nachman. Mamash, comme s'il était vivant. Alors, c'est clair que quand Rabbeinu, il te dit, c'est quoi ton tikkun? C'est de venir voir le bar d'Ahad, celui qui est le plus sage dans le monde entier, c'est de venir sur la tombe de Rabbeinu et d'écouter une Torah. C'est pas shoot-me-o, d'ouvrir une Torah de Likutey Moharan et écouter ce qu'il dit et rentrer dans ses paroles. C'est pas Dafka écouter ou Dafka sa bouche. C'est ça sa bouche, c'est ça sa tête, c'est ça sa sagesse. C'est quoi la sagesse du tzaddik? C'est les conseils du tzaddik. Le tzaddik il t'a dit viens chez moi, viens Rosh Hashanah, viens faire le tikkun haklali. Si t'écoutes ça, ça veut dire que t'écoutes sa Torah. Tu comprends? Rabbi Avram bar Rabbi Nachman, Rabbi Nachman Metcherin, il marque mamash, qu'il n'y a que donner la tzedaka pour les livres de Rabbeinu, c'est ce qu'il appelle donner la tzedaka au Talmid Chacham. Lui, donner la tzedaka pour les livres. Mais Kitsu, alors il dit le tzaddik, et grâce à ça qu'il va venir écouter une Torah, comme ça il pourra trouver son shidduch. Ki kol zman shadat bekoach, parce que tant que la sagesse, elle est en. Comment on a dit, koach?
Je l'ai sur le bout des langues. Ah, je l'ai sur le bout des langues. Théorie ou pratique? Théorie. Tant que la sagesse, elle est en théorie seulement. Alors, on ne peut pas encore réussir à accrocher les deux shidduchim, les deux meshudachim, les deux côtés. Parce qu'ils sont complètement différents, avec une grande différence entre les deux. Qu'il est famille même be'efer gadol me'od mise. Et des fois, ils sont complètement à l'envers, mamash, mamash, les deux. Et même la sagesse, elle peut pas encore les comment on dit les non mamash les unir quand c'est encore seulement en théorie. Alors il faut écouter la Torah de sa bouche. Chez az yotze adat, et c'est là où c'est quoi pourquoi il faut écouter la Torah de sa bouche. Parce que quand tu écoutes la Torah du tzaddik, qu'est-ce que tu vas recevoir, toi? Sa sagesse. Et c'est sa sagesse qui sera capable de te faire ce shidur. Befrinat, mipiv, da'at, udvuna. Pardon. De sa bouche, on reçoit la sagesse. Ve'azai, que sheyotze adat mikoach el apoal. Et quand la sagesse va sortir de théorie à, en pratique, parce que il va le dire, dès qu'il dit, c'est plus une théorie. Ça va venir, c'est, pour moi c'est déjà une pratique, il faut que je commence à le faire, tout ça. Azayachol et Shatram. Alors là, maintenant que le tzaddik il a sorti de sa bouche et toi tu l'as écouté, alors maintenant le tzaddik il peut commencer à travailler avec toi, te trouver ton zivoug et travailler pour ça. Même si c'est complètement le contraire de toi. Parce que obligatoirement ton deuxième morceau il est complètement à l'envers de toi. Af imem be'efer gadol, même s'ils sont complètement. Le contraire l'un de l'autre. Veze otiot shidur. Et ça, c'est les otiot shidur. Rachet evot. C'est le début des lettres. Qui sifte kohen ishmeru dat ve Torah. Les lettres, les lèvres du kohen. Et garde la sagesse et la Torah. C'est shidur. Les otiot shidur. C'est ça. Veze ou yevakshu mi piu. C'est marqué qu'il faut demander de sa bouche. Parce que nous, il faut qu'on demande au tzaddik d'Afka qui nous dit sa Torah. C'est-à-dire que maintenant, toi, maintenant que tu vas venir chez le tzaddik, il faut que tu cherches quelqu'un qui dit, je veux que tu me donnes, parle-moi de la Torah, dis-moi, lis-moi cette Torah, je veux que, tu comprends, il faut que tu veuilles, mamash, entendre la Torah de la bouche. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir cette sagesse du tzaddik de la pratique et de la théorie à la pratique. C'est-à-dire que maintenant tu arrives au tzaddik, c'est bien, tu as fait la pratique, tu as fait la théorie. Maintenant cherche comment le sortir en pratique. Comment tu fais? Il faut l'écouter. Il faut que lui dise par la bouche et toi tu écoutes par les oreilles. Ah, maintenant la sagesse, elle est plus seulement dans une feuille. Elle est déjà en l'air et commence à tourner dans ta tête. Ça veut dire que maintenant elle est en pratique, elle commence à bouger. Ve'alken tzarich lishmoa Torah davka mipiv. C'est pour ça qu'il faut davka écouter de sa bouche. Av shegam bediburim pshutim shel ha'baal da'at. Que même les paroles simples de celui qui est le plus grand dans la sagesse, yesh bem gam kendat, même dans les paroles simples qu'il va te parler, il y a dedans de la sagesse. C'est-à-dire que même s'il va te parler de football, maintenant il y a de la sagesse dedans. Ve'af al pichen, tzarich lishmoa Torah davka. Mais il dit Rabbeinu, il faut quand même demander à écouter la Torah, pas les dibourim simples. Même, il te dit, sache que dans les dibourim simples, il y a déjà de la sagesse. Mais là, pour maintenant, il faut que tu demandes de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la sagesse de la Torah qui sera capable de te montrer que même toi et elle, vous êtes capable de rester ensemble. Que même toi, qui est complètement le contraire d'elle, vous êtes tous les deux capables d'être un. Parce que maintenant, toi, tu es un. Et elle aussi, elle est un. C'est où ça, maintenant? C'est là. Là, c'est pas vrai. Là, tu es demi et elle est demi. Mais là, toi, tu es un et elle est un. Et c'est ça qui fait le contraire. Toi, tu sais, attends, c'est moi, j'ai mon monde, j'ai ma vie, j'ai ma famille. Oh! Alors pourquoi tu te maries? Non, parce que, tu comprends, j'aimerais qu'elle m'aide. Pourquoi il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, tu sais? C'est parce que 90% des gens qui ont divorcé, c'est parce que ils cherchent pas, quand ils se marient, ils cherchent quelque chose qui va leur faire encore du bien dans leur vie. Une femme ou un homme, c'est pas...
un plus de bien dans ta vie. Parce que la femme, quand elle va venir, elle va te demander des choses qu'elle veut elle. Ça veut dire qu'elle va te prendre de toi et elle les veut elle. D'un autre côté, toi aussi, tu vas faire la même chose. D'accord? Et d'un coup, le mec, il va se dire, mais attends, oh là là, elle me prend la tête, elle, mais je ne me suis pas marié pour galérer. Alors, tu t'es marié pour quoi? Pour kiffer en Porsche? Et même si t'es en Porsche, tu crois qu'elle va pas demander? Ou toi, tu vas pas lui demander parce qu'elle est parfaite? Alors, dans 5 ans, tu vas lui demander. Et là, elle va te dire, attends, mais qu'est-ce que tu me veux? Attends, je ne me suis pas marié pour... Quand tu te maries, c'est pas parce que je suis à 100%, et quand tu vas voir une nouvelle femme, tu vas dire, oh là là, elle va me faire à 110%. Non, pas du tout. Elle va te faire devenir 50%. Elle va te faire comprendre que t'es pas 100, t'es 50%. Dans ta tête, t'es 100%. Tu veux le monde entier à toi-même. Ton cœur, il veut son demi, parce qu'il a besoin d'elle. Et comment tu peux faire, comment tu peux gagner tout ce match qui est entre la tête et le cœur? C'est avec la sagesse que tu vas recevoir de la Torah du Tzadik. La Torah du Tzadik, elle va dire, écoute, Shmuel, calme-toi. Le monde, il n'est pas à toi. Et tout seul, tu n'arriveras pas à finir ton tikkun. Il te faut elle. Pourquoi? Parce que quand tu es né, Hachem, il l'a fait naître à elle aussi, en sachant lui-même dans son pulse de la vie qu'il est obligé de vous deux pour continuer ce pulse. Et tu veux entendre plus? Le petit Nachman qui va venir l'année prochaine, lui aussi, il est dans le jeu. Et Fégué, et Nathan, tous! Hachem, il a déjà compté tout le monde. Mais en soi, si toi, tu vas avec ta tête, oh, non, moi, je suis un. Alors, il n'y aura pas Nachman, il n'y aura pas Nathan, il n'y aura pas Sarah, il n'y aura pas Myriam, il n'y aura personne. Il n'y aura même pas... je sais pas, comment tu veux qu'on l'appelle? Bon, on va se taire. Ve'alken... Av shegam bediburim shotim nalim d'atora. Ki a Torah nikret kala. La Torah, elle s'appelle, d'après le truc, kala. C'est quoi une kala? Une mariée. Ke mosh amu chachamen uzal, comme ils ont dit les sages. Al tikre morasha, ela me'orasa. Ne, dans le Masechet Psachim, dans la Gemara, quand il parle de la Torah, il dit, ne l'appelle pas Morasha. Katouf, nakhon, il y a marqué Torah Tzivalanu Moshe Morasha. Et là, Mehorasa. C'est quoi Mehorasa? C'est fiancé. Ne l'appelle pas Morasha, appelle-la fiancée. Parce qu'elle, elle est devenue fiancée avec Moshe Rabbeinu maintenant. D'accord? Veyeshba Gamken Shnafachim. Et dans la Torah, il y a aussi deux contraires. C'est quoi les deux contraires? Kiyeshba Shne Mineotiot. Il y a deux... il y a deux sortes de lettres. Uksha tzadik omer Torah. Et quand le tzadik va dire une Torah, ubechinat meshader shidduchim. C'est au niveau de celui qui va faire le shidduchim. Qui dit vrai Torah, aniim bemakom ze, vashirim bemakom acher. Parce que les paroles de la Torah, ils sont pauvres dans un endroit, et ils sont très riches dans un autre endroit. C'est marqué dans la Gemara Yerushalmi. C'est-à-dire que, je ne me rappelle plus exactement de ce qui se passe là-bas, mais on voit que des fois, tu peux prendre une Torah qui est très belle et le parler à des gens qui ne comprennent rien et vont dire, mais qu'est-ce qu'il parle, lui? C'est un naze. C'est-à-dire que la Torah, elle est pauvre envers eux. Et tu vas dire la même Torah. Vas-y. Tu vas dire la même Torah. Tu vas dire la même Torah exactement devant quelqu'un, venez, devant quelqu'un, devant des gens qui sont sages, qui étudient la Torah, ils vont être comme des ouf. Et là, la Torah va être riche devant eux. Alors, ça veut dire que dans la Torah, il y a deux sortes. C'est comme le couple, il y a deux sortes. Tu comprends? C'est deux contraires. Et le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les deux contraires, il va réussir à les mettre ensemble. C'est pour ça que c'est le tzaddik le seul qui est capable de faire revenir tout le monde vers Hachem. Parce que lui, quand il va parler la Torah, il va savoir exactement comment rapprocher les pauvres, les riches, les grands, les petits, les vieux, les jeunes, tout le monde. Alors il dit comme ça, qui dit vrai Torah, « Vetzarich lechaber dit vrai Torah bimakom lemakom » Et il faut réussir à comment on dit lechaber? Les chabers, quand tu prends deux morceaux et tu les fais rentrer un dans l'autre. Emboîter. Et il faut réussir à emboîter la Torah d'un endroit à l'autre. Ou mechabrim otam yachad. Et on peut comme... Attends. Ki mechabrim divrei Torah mi mekomot mefuzarim. Parce que nous, il faut emboîter les paroles de la Torah dans les endroits qui sont dans plein d'endroits, qui sont loin un de l'autre. Ou mechabrim otam yachad. Et on les remboîte
Et c'est grâce à ça qu'il y a des chidushim dans la Torah. Quand quelqu'un il parle de la Torah. Nimtza, ksha tzadik abardat. Alors il dit Rabbeinu, le tzadik qui est lui, le sage des sages, des sages, le plus grand sage. Quand il dit la Torah, ou meshader shidduchim, quand rien qu'il parle de la Torah, il arrive à faire, il fait des shidduchim automatiquement. Alken tzichim lishmoa Torah mipiv davka. C'est pour ça qu'il faut davka écouter la Torah de sa bouche. Et grâce à ça, on peut réussir à trouver notre zivouk Bezrat Hashem. Alors, il raton que cette Torah elle soit pour tous ceux qui ont besoin d'un shidour. Surtout nous. Enfin, toi. Moi, Baruch Hashem. Merci. Comme on dit chez nous, une, ça suffit. Que Bezrat Hashem Shmuel Ben Bracha, il trouve son zivouk Bezrat Hashem cette année. Avant Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, que tu sois sous la choupa. Toi et tous ceux qui ont besoin de Shidduchim, Yoram, Daniel, Yitzhak, Ben Miriam, Ben Simcha. Qu'est-ce que besoin de Shidduch encore? Ram, Ben Ruth, Binyamin, Mkadia, Norwit. Tous les Chavirim. Asher Ben. Asher Ben Tzara. Kol la Chavirim, tous ceux qui ont besoin de Shidduch. Et pas que les Shidduchim entre un homme et une femme. Un Shidduch aussi, c'est entre moi et la Torah. Le Tzadik qui va me faire aimer la Torah. Parce que moi... je suis complètement le contraire de la Torah. La Torah, c'est quelque chose de propre, de sage, de beau. Et nous, on est exactement le contraire. On voit ce monde, on veut le monde. On prend l'avion et on devient ouf. On arrive dans un aéroport. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Tous les jours, tous les lundis et jeudis, quand tu lèves le livre de la Torah, tu fais pas... tu fais zarma avec ton doigt comme ça, tu regardes et tout ça. Mais quand tu vois un beau magasin, quand tu vois... J'étais au Duty Free, je suis rentré dans Breitling. J'ai vu une Rolex ou une Breitling, je ne rappelle plus, j'ai fait « Oh là là, oh, c'est clair que Dieu l'a fait pour moi, c'est sûr. » Je n'ai pas voulu l'acheter. Hein. Mais quand je vois le Sefer Torah, pourquoi je pense pas comme ça? Alors comment c'est possible que quand même j'ai envie de devenir juif? J'ai envie de faire des mitzvot, j'ai envie de me lever chatzot, j'ai envie d'aller une heure dans la Ibo des doutes, j'ai envie de parler de la Torah. Comment c'est possible? Puisque je suis exactement le contraire. C'est parce que le sage de tous les sages au monde, il a sorti cette Torah de sa bouche. Et quand je la lis, ça m'ouvre le cœur envers Hachem. Alors j'ai cette guerre, comme dans un couple. C'est pas que une personne elle se marie, et ça y est, c'est fini, sa vie elle est belle. Non, non, non. C'est là où ça commence le balagan. Mais maintenant, comment on fait pour réussir à gagner? C'est grâce à la bouche du tzadik. Grâce à sa Torah, tu deviens sage. Et avec cette sagesse-là, tu peux réussir à jouer. Entre un homme et une femme, il y a un jeu. Des fois, tu sais te baisser, des fois, tu sais te monter. Mais si tu fais le blata, tu restes toujours en haut. C'est moi. Hoppa, c'est moi le gagnant. Bon, ben, on va se retrouver à la Rabbanout. Et là-bas, on sait où ça va aller. Le tzaddik, celui qui a le tzaddik Behemet. Tu sais quoi, maintenant, je suis en train de parler. Rabbeinu, il a dit, fais tout pour pas divorcer, il a dit Rabbeinu. Nahon, pourquoi il dit ça? Parce que il a déjà... Si j'ai donné ces Torah, ça veut dire que si vraiment vous voulez, vous ne divorcerez pas. Je vous ai donné toute la sagesse déjà. Il faut seulement l'accepter. Et la faire sortir mamash. Comme on a dit, de la théorie à la pratique. Alors, Yehi Ratzon Bezrat Hashem, que tout le monde trouve leur shidour et qu'ils arrivent à vivre avec un beau shalom, une paix entre la femme et l'homme, entre les enfants et les parents, entre le Rebbe et les enfants, Bezrat Hashem. Et qu'on soit toujours heureux grâce au tzaddik. Et Bezrat Hashem, on aimerait dire, maintenant c'est le moment que là on est à Ouman, on ne peut pas voir derrière, mais c'est la tombe de Rabbi Nachman. On veut remercier beaucoup, beaucoup madame. Rappelle-moi son nom. Liziane. Mazal. Bat. Bat Netchma. Et son mari, Bruno, David, Ben, Micheline. Et les enfants. Charlotte, Esther. Bat Mazal. Johan Yehudit, Bat Mazal. Salomé Chaya, Bat Mazal. Shirel Sarah, Simcha, Bat Mazal. Il raconte que Rabbeinu, avec cette Torah, avec cette sagesse, il va faire des shidouchim dans cette famille, des beaux mariages, des belles simcha, des beaux bébés, Bezrat Hashem, un garçon, un beau Nachman, Bezrat Hashem. Qu'on puisse venir, même s'il faut en France pour la Brit Mila, danser et vous faire une grande simcha, Bezrat Hashem. V'chen yi ratzon v'nomar amen. Nanach, Nachman, Nachman, Mouman.